Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vous présente en exclusivité le tout nouveau Specialized Roubaix 2020. Avant de s'attarder sur ses caractéristiques uniques, rappelons ce qu'est le Roubaix dans l'histoire du vélo. Le Roubaix fête actuellement ses 15 ans et 6 victoires sur la prestigieuse course Paris-Roubaix. C'est un modèle qui a littéralement révolutionné les vélos d'endurance en proposant un vélo qui soit à la fois rigide et performant tout en offrant du confort. En prouvant que rouler confortablement, c'est également rouler très vite. Nous allons maintenant parler des principales caractéristiques et notamment de ce cadre S-Works qui pèse moins de 900 grammes. Il est toujours équipé de la technologie Rider First Engineered, qui est une technologie que Specialized a développée avec la marque de Formule 1 McLaren et qui a pour objectif d'offrir exactement les mêmes sensations que vous ayez un cadre très petit comme un cadre très grand. Si ce modèle était connu depuis toujours pour être l'un des modèles les plus confortables, il n'était pas du tout aérodynamique. Aujourd'hui, cette nouvelle version l'est complètement, à tel point qu'elle est aussi aérodynamique que son petit frère, le Tarmac, évidemment, en étant plus confortable. Alors, Specialized, pour obtenir ce résultat, a évidemment revu toute la forme des tubes de son cadre pour offrir un vélo à la fois confortable, mais également extrêmement aérodynamique. En effet, depuis des années, on s'aperçoit que le poids n'est plus la principale caractéristique demandée par les coureurs, mais surtout l'aérodynamisme. En effet, les coureurs roulent aujourd'hui sur des vélos qui pèsent largement plus de 7 kg, notamment pour les modèles à disque, voire même 8 kg pour les modèles vraiment aérodynamiques. Aujourd'hui, avec le Roubaix, on a un poids qui est plus léger qu'un Venge, tout en étant aussi aérodynamique qu'un Tarmac. Autre nouveauté de cette version 2020, c'est évidemment la Future Chox 2.0. Cette suspension que Specialized propose à la fois sur son Roubaix et sur son Diverge est maintenant équipée d'une cartouche d'huile, ce qui va vous permettre de régler le rebond et la compression directement depuis une molette située en haut de la potence. Auparavant, vous aviez le choix entre trois ressorts. Bien que ce n'était pas très compliqué à changer, ça demandait quand même une petite opération, vous aviez besoin d'une clé pour démonter la potence et changer en fonction des réglages que vous préfériez. Aujourd'hui, tout en roulant, vous allez pouvoir régler plus ou moins de compression sur votre suspension et adapter à votre pilotage. Autre nouveauté de ce vélo, c'est évidemment la tige de selle que Specialized a nommée Pavé. Alors, elle reprend la forme du Tarmac avec un dos plat, la forme de D sur le devant qui aide à la tige de selle à flexer, mais elle a deux autres nouvelles caractéristiques. La première, c'est d'avoir son système de serrage positionné très bas pour aider encore une fois le confort, la flexibilité. Mais la deuxième de ces caractéristiques, comme on peut le voir ici, il y a un déport sur le cadre, ce qui va permettre qu'il n'y ait aucune contrainte à sa flexibilité. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir comme ça bouger vers l'arrière sans être prise dans le cadre comme sur les tiges de selle traditionnelles. C'est donc la première fois que l'on va trouver une tige de selle à la fois aérodynamique et confortable. Et je pense que c'est ça qui résume le mieux de ce nouveau Roubaix 2020. Un vélo extrêmement homogène, à la fois aérodynamique, à la fois confortable, avec une isolation à l'arrière et une isolation à l'avant. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce vélo, sachez qu'il est dès à présent disponible dans nos succursales Bicycle Kiliko ainsi que sur notre site en ligne. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires juste en dessous ce que vous pensez de ce nouveau modèle. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.